Hey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, petite parenthèse, je suis habillée pareil, mais j'ai fait les deux dernières vidéos YouTube que je vous poste actuellement en même temps. Donc voilà, petite parenthèse fermée parce qu'on ne sait jamais. Bref, allez, on découvre la Glossy de décembre ensemble. Toujours plein de paperasse chez Glossy, mais je commence mal moi déjà si je bafouille comme ça dès le début. Donc voilà, là j'ai une carte cadeau pour Musli, My Musli pardon. Carte cadeau toujours pour tails.com, donc carte cadeau c'est des cartes, des bons de réduction, attention, pas de carte cadeau où on vous offre tout, hein, pas du tout. Et toujours About You, j'ai toujours aussi chez eux, ça fait déjà 3 fois je crois. Donc voilà, ça fait toujours plaisir si vous en avez besoin surtout. On découvre cette merveille ensemble ou pas? Cette fois-ci c'est pas une boîte carton. Là nous parlons carrément d'une boîte en métal réutilisable, ça c'est juste génial, et en plus elle est jolie hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très très jolie. Ah, je vais vous emmerder. Elle est pas magnifique la présentation Glossy. Je vous le dis chaque mois, à chaque fois. Franchement, je le dis à chaque fois, mais je la trouve tellement cool cette présentation. Allez, le petit fascicule Glossy Box. On commence par un premier produit de chez Elemis. Donc c'est une marque que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Ils m'avaient envoyé une sacrée gamme de produits que j'avais pu essayer, franchement top cette marque. Là c'est la gamme Superfood, le Glow Priming Moisturizing, vous m'avez compris, crème hydratante au kombucha pour le teint en 20 ml. Deuxième produit, nous sommes à un produit que je ne connais absolument pas. Donc c'est la théorie du volcan Paris, c'est un fluide de contour des yeux à l'aloe vera bio. Donc c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça convient aux vegans. J'ai eu du mal à lire, mais... Et c'est du Made in France, cool. Ensuite, nous avons cette petite chose très mignonne de la marque Ciaté London. Donc c'est le Watermelon Burst Hydrating Lip Wall. Ouais, je pense que vous avez tous compris comme moi. Donc c'est un... C'est une huile à lèvres nourrissante en 5 ml. Le Spotlight, c'est un highlighter pencil, un crayon surligneur. Voilà à quoi il ressemble. Je vais vous l'ouvrir. Et voici la petite mine. C'est sympa pour les fêtes, je trouve. Dernier produit, nous sommes à une petite palette. Voici le fameux packaging. J'espère que vous allez voir grand chose avec la lumière. Donc c'est la Lash Plush Cosmetics, c'est la Moonlight Glow. C'est une palette, en fait, où il y a 4 fards. Voilà quoi, la petite se présente et dès que vous l'ouvrez, voici les belles couleurs. Super jolies les couleurs, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont vraiment sympas. Donc ça c'est des couleurs que tout le monde peut porter, c'est ça qui est cool. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette box, elle est vraiment trop cool je trouve. Alors là pour les fans de make-up ce mois-ci, vous êtes servis mais de A à Z, hein. Vraiment je trouve qu'elle est super bien chargée là-dessus. Donc non, franchement pas mal, moi je suis très très contente, la petite boîte en ferraille est vraiment aussi très sympa, ça change des box classiques en fait tout simplement. Quoi que ce soit comme code promo, toujours rendez-vous en barre d'infos, on n'oublie pas. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.